Lecture du jour, bonjour. Ce matin, j'ai lu le livre de Colossiens et la lettre que Paul écrit à Philémon. Dans Colossiens, Paul va rappeler certaines choses. Pour rappel, c'est que quand Paul écrit des lettres, il écrit pour résoudre des problèmes, pour encourager les chrétiens. Et donc, d'une lettre à l'autre, on retrouve parfois les mêmes thématiques ou les mêmes propos que Paul a pu tenir dans d'autres lettres. Et c'est normal. Moi-même, pour avoir fait plusieurs églises, je me rends compte qu'on rencontre les mêmes problèmes, les mêmes difficultés dans chacune des églises. Et donc, si je devais écrire des lettres à ces différentes églises, ben, souvent j'écrirais plus ou moins la même chose, c'est-à-dire un peu des spécificités. Et donc, Paul, c'est ce qu'il va faire là avec Colossiens. Premièrement, il va leur rappeler au début du chapitre que Jésus a tout payé, que Jésus nous a libérés et que c'est bien Dieu qui l'a envoyé, que Dieu s'est pleinement investi en son Fils pour sauver l'humanité. Et par la suite, il va donner des conseils pratiques. Dire, mais voilà, si Christ vous a racheté, c'est pour qu'un jour nous puissions aller vivre avec lui là-haut. Et si votre vie et votre objectif est d'aller vivre avec Jésus là-haut, arrêtez de vouloir vous attacher aux choses d'ici-bas et arrêtez de vivre comme les gens d'ici-bas, puisque votre vie n'est pas ici-bas, votre objectif est là-haut. Et ça me fait penser à une petite anecdote, c'est que la maison qu'on a achetée, on l'a achetée à des Portugais qui, eux, leur objectif était de partir à la retraite au Portugal, comme beaucoup de personnes qui ne sont pas nées en France, leur objectif est pas souvent de rentrer dans leur pays d'origine. Et quand on a visité la maison, il y avait beaucoup de travaux à faire. Ça faisait 30 ans qu'ils vivaient dans cette maison. Ils avaient fait des travaux, mais c'était pas ouf. Voilà, franchement, c'était pas ouf. Parce que, pour quelle raison? Parce qu'en discutant avec eux, on a bien compris que, en fait, au Portugal, ils sont construits pas une, mais deux maisons. Et deux maisons, ils les ont fait au top, quoi. Avec cuisine en marbre, escalier en marbre, c'est ce qu'ils nous racontaient. Ouais, là-bas, on a la maison, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est magnifique, etc. Et quand je regardais, et quand je les écoutais parler, dans ma tête, je disais, ok, c'est sympa, sauf que nous, on achète cette maison-là, et cette maison-là n'est pas magnifique, cuisine en marbre, escalier en marbre, et tout le reste. Mais ça me parle, parce que je me dis, leur objectif, c'était pas cette maison-là, dans laquelle ils vivaient. Leur objectif, c'était la maison dans laquelle ils allaient passer leur retraite. Et c'est cette maison-là qu'ils ont construit, qu'ils ont bichonné, qu'ils ont fait magnifique, et celle dans laquelle ils ont vécu le reste de leur vie, ils se sont dit, on n'est que de passage. Et donc, on va faire le minimum pour y vivre, mais notre objectif, il n'est pas là. Notre objectif, il est là où on veut passer le reste de notre vie. Et pour nous, ça doit être pareil. Arrête de vouloir bichonner ta vie sur cette terre. Cherche à bichonner et à préparer ta vie qui est dans le ciel, parce que c'est elle qui va durer vraiment, vraiment beaucoup plus longtemps, puisqu'on y va y passer l'éternité. Donc, arrête de t'attacher aux choses ici-bas. Arrête de chercher à conformer ta vie aux choses ici-bas. Cherche à conformer ta vie aux choses d'en haut. Ok? Aux choses en relis Colossiens, c'est vraiment intéressant. Il donne plein d'autres conseils, plein d'autres choses pratiques. Sois béni. Partage la vidéo si ça t'a encouragé. Comme je dis, partage la bénédiction. Bonne journée.